Salut, salut la famille. Venez vous-même écouter ce que Fleur de Lys dit concernant Madocas a retourné sa veste contre Lolo Foggia. Aujourd'hui, on voit comment Madocas donne déjà un spectacle avec Lolo Foggia. Et donc, Madocas n'a jamais aimé Lolo Foggia. Elle était là-bas uniquement pour les intérêts. En fait, elle voulait à tout prix que les mêmes 100 000 étoiles que les Lolomaniens donnent à Lolo Foggia, elle aussi peut-être espérait aussi avoir peut-être les mêmes 100 000 étoiles. Elle était déjà en rivalité avec Lolo Foggia. En même temps aussi, elle parle vite fait de l'affaire Amer Kamer qui accepte aujourd'hui qu'il n'a jamais sorti avec Flore. Écoutons Flore de Lys, son analyse, c'est qu'elle pense de la sortie de Madocas sur Lolo Foggia. Écoutons. On voit la vidéo du poulet qui était. Ouais, quand on fait un on fait même la formation. Le poulet que. Le poulet, maman, un 31 d'exemple, elle achète son poulet. Le poulet arrive avec Emma. Trois poulets. Il faut voir comment. Les plumes de ça. Maman, on a seulement trop chauffé l'eau des poulets là-haut. Les plumes sont parties. Oh, le... 14 000 de poulet que tu as acheté, non? Elle dit que maman, regarde, regarde, il n'y a même pas la peau sur le poulet. Ils ont enlevé les plumes et la peau du poulet. Et vous postez la vidéo de ça. Ouais, j'ai seulement calmé. Hein? Oui, c'est quoi ça? Avec la livraison, c'est quoi ce genre de poulet? Maman, oh wow. Maman ne partage plus l'argent. Tous ceux qui vont créer les choses pour escroquer le Cameroun, il n'y a pas les taux. Il y a déjà assez de problèmes comme ça au Cameroun. Donc, arrêtez d'aller créer les petites entreprises pour la Qatar pour faire le gouvernement. Les projets de ça. Ils ont tous les projets des milliards. Oh, oh, tu comptais pour ça pour venir me douter. Hein? Une poseuse. Un homme peut refuser. Vous rigolez ou quoi? Vous croyez qu'on se lève pour avoir une femme diamant comme moi? Vous avez vu ça? Vous croyez que c'est facile? Vous pensez le nombre de filles connectées là qui aimeraient avoir pour les belles filles sur la route comme ça? Demain encore, je suis sur la route, je vais là-bas à l'aéroport. Direction le Cameroun. Vous croyez que c'est facile de monter et de descendre comme ça? Hein? Et puis les gens vont venir cracher sur ce que je vais me parler n'importe comment. Non, il va falloir qu'on discute. Et puis tu m'insultes, tu me manques le respect, tu me méprises. Mais attends, c'est quoi ce truc dans le péage? Oh, t'es même faim. J'ai faim, hein, je te jure. J'ai gros comme ça, non? Une fois, deux fois, non, mais trois fois, c'est trop. Trois fois, c'est beaucoup, quand même. Hein? Enfin, c'est beaucoup, c'est qui n'existe pas. Moi, si avec un homme, il n'y a pas besoin de dire que oh, telle médication, il a beau faire ceci. Non, vous prenez tous les problèmes des gens. Après, oh, j'ai défendu. Il faut arrêter. Et puis, je vois les gens, oh, t'avais défendu. Moi-même, j'ai une grande gueule. C'est passé d'essayer de rester. Arrêtez un peu souvent de faire que vous venez défendre les gens sur Facebook. Après, ça doit être comme un truc qu'on a mis à la gorge de quelqu'un. Dieu merci, je n'ai jamais appelé quelqu'un sur Facebook. Dit que ouais, pardon, fais-moi un direct, défends-moi. Pourquoi? Pour que demain ça devienne le chantage. Mais si au moins, j'ai dit qu'il y a mieux les faux profils même qui nous suivent là. Parce qu'eux, ils ne cherchent pas la Stamania. Mieux nos FP qui nous suivent là. Ils sont dans le noir, ils nous suivent avec leur faux profil, sans intérêt. Tous ceux qui viennent avec le visage là, c'est toujours la visibilité. C'est au début d'abord, c'est quand ils étaient. Après, ça change. Après, ça devient. Tu deviens redevable comme si. Mais arrêtez un peu. C'est comment, non? Tu redeviens redevable. Un petit truc, non, j'avais soutenu. Un petit truc, j'avais soutenu. Mais il faut arrêter, on vous appelle de venir soutenir. Tu soutiens quand tu veux. Tu as envie, tu le fais de ton gré, tu mets ta. On ne vous force pas. Vous soutenez les gens souvent, vous nous soutenez aussi pour la visibilité. Parce que vous voulez que nos fans viennent s'abonner à vos pages. Du coup, vous faites quoi? Oh, je soutiens tel. Quand ça ne va pas, vous changez de côté. Ça tourne, vous tournez partout, parce que vous voulez avoir les fans de toutes les teams. Est-ce que vous faites ça par amour pour nous? Non. Vous faites ça par profit, par intérêt. Donc arrêtez un peu. Paul, ils nous ont trouvé derrière là, non? Après, ça devient toujours une prise en charge. Oh, j'ai soutenu. Vous soutenez parce que vous gagnez derrière. Parce que vous gagnez. Vous ne soutenez pas trop parce que vous nous aimez. Vous soutenez parce que vous cherchez la visibilité. Parce que vous cherchez que tous les fans s'abonnent. Et derrière, vous profitez. Mais vous n'allez jamais avoir ce que nous, nos fans nous donnent. D'accord? Vous n'allez jamais avoir ce que nos fans nous donnent. Ce que nos fans nous donnent, c'est pour nous. Allez faire pour vous, non? Pourquoi vous êtes toujours obligé de venir avec nos noms? Oh, je soutiens tel. Je suis venu pour combattre pour tel. Oh, je l'ai soutenu par tel. Pourquoi? Ils sont obligés. Hein? Et que mieux même les gens qui nous soutiennent dans le noir, là. Vraiment. Chaque fois quand quelqu'un vient avec son visage, pour finir, mais tu deviens endetté comme si tu avais appelé au secours. Hein? C'est quoi? Tout le temps, il faut toujours que ça soit dans le. Hein, il faut voir, vous les fans aussi, vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes là pourquoi? Pour nous défendre. On ne crache pas sur quelqu'un qui vient te défendre. Mais arrêtez souvent de faire comme si c'est que non. Arrêtez un peu. Les gens voient les choses qui sont sur Facebook. Chacun veut se faire voir, il vient aussi parle. Après, ça devient que. Oh, oh, j'ai supporté, j'ai fait les. Mais arrêtez. Arrêtez. On n'est pas obligé de reconnaître. Quelqu'un peut me faire tirer mes soutiens, ne partage pas, c'est obligé. N'importe quoi. C'est tout comme ça. C'est toujours comme ça. Allez chercher vos fans, dis donc. Vous venez piquer dans nos fans, toujours en train de venir prendre. Il faut voir. Les abeilles, vous savez quoi hein? Franchement, hein? Vous là, hein?
Il fallait voir, c'était un beau couple. Beau couple. Voilà votre parle de beau couple là. Hein, le couple, c'est le couple. Pourquoi vous pouvez me donner en mariage? Vous pouvez me donner en mariage? Arrêtez de nous dire de partager, c'est de partager ça. Non, on n'est pas obligé. Regardez ce que ces gens-là se retournent après, ils deviennent. Une fois qu'on les a donné la visibilité, ça devient quoi? Hein? Hein, il faut partager alors. La personne est en train de bien parler de toi. Même si quelqu'un parle bien de moi, il ne partage plus. Erika, hein? Je parle comme ça pour ne pas dormir, non? Je suis sur la rue, je suis fatigué. Je t'ai pris un commentaire, non? Même si quelqu'un parle bien de moi, il ne partage pas. Soutenir, il cherche les vues. Hein? Et puis vous allez vous commenter partout, partout. Hein? Dès que quelqu'un dit, ah, j'aime ma foi, vous êtes là-bas. Hein? J'aime Fleur de Lille, vous êtes là-bas. Oh, la personne t'aime trop. Partage. Il faut partager, il faut aller voir tel. C'est vous qui m'envoyez rendre visite aux gens. C'est la dernière fois. Vous avez compris avec quoi? Erika, hein? C'est bon là. Oh, tel t'avait défendu. Va aller voir la personne. Mais c'est quoi? Malchance. C'est manioc de patate et de plantain et de tout ce qui va avec. La voiture. La voiture s'est fait quoi devant moi? Oh. Hein, il fallait saluer tel. Vous croyez que la vie c'est comme ça? On comprend que les réseaux sociaux que vous voyez là, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui sont là seulement pour détruire les autres. Hein, va aller voir tel. Telle personne t'avait défendu. La personne a eu un problème. Va aller saluer la personne. Pourquoi? C'est quoi? Pourquoi vous voulez tout que les gens passent dans la vie réelle? Une amitié peut rester virtuelle, même virtuelle de toujours. Il y a les très bonnes personnes. Il faut les voir. Ma faute, oui, ne réponds pas. Hein, on peut dire quelque chose sur toi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur moi aujourd'hui? Tu de la niasse. Je choisis avec qui je niasse. Je choisis avec qui. Il y a quoi? Merde. Fais-moi les choses comme ça. Je dis que, hein, quand vous aimez alors que certains hommes viennent vous draguer avec le nom des autres, je suis sorti avec elle. Je suis sorti. Pourquoi? Juge quelqu'un par rapport à comment la personne avec toi. Il faut toujours comprendre que quand un homme parle de l'ancien, ça veut dire que même de toi, il va toujours parler. C'est quoi? Vous venez soutenir les gens, après ça donne la corde au cou. Avant de venir soutenir, vous faites d'abord les tours, non? Vous partez là où il y a votre profit. Mais est-ce que vous testez les teams là, non? Vous faites d'abord tout le tour. Ça devient une dette morale. Arrêtez un peu, l'amitié virtuelle est une amitié virtuelle. Mais c'est pas possible, arrêtez un peu. Vous avez des amis avec qui vous avez grandi, vous avez vos amis, non? C'est quoi? Un petit, chacun veut chercher à se faire connaître. Et les tourbillonnements de Facebook. Les gens qui changent comme le pour se faire voir. Hein? Je dis que ne faites jamais confiance à quelqu'un qui vient mettre sa caméra pour dire que. Oh, je suis avec toi, Abby. Ne faites jamais confiance à ces gens-là. Je dis que. Ces gens-là qui viennent là. Quand vous mangez, ça ne vous dérange pas. Vous croyez que vous vous mesurez à ce qu'on nous donne. Vous vous mesurez. Si on nous donne 100 étoiles, on va vous donner aussi 100. Pourquoi? Même 10 déjà qu'on vous donne, c'est beaucoup. Après, je ne profite pas. Parce que vous voulez, quand vous voulez, là, vous répondre à quelque chose ou pas. Si on veut répondre à quelqu'un qui nous insulte, on n'a pas besoin des coups de fil. Oh, tel a dit que, ça veut dire que ça. On n'a pas besoin de ça. C'est quoi? Même dans les enfants, même, il y a le feeling dans la vie. Il y a des personnes avec qui tu t'entends bien. Les personnes que, même quand ils te font n'importe quoi, tu es toujours avec eux. Les personnes que tu aimes bien, tu apprécies bien. C'est comme ça dans la vie. Hein? Il faut toujours que vous fassiez inventer les choses derrière. Inventer un petit truc. Oh, tel a dit que ça veut dire que vous analysez pourquoi. N'analysez, on peut parler, on parle. Hein? Et puis vous êtes là les fans. Quand quelqu'un décide de parler de nouveaux stars, arrêtez de supplier, on n'a pas de secret. C'est vous qui donnez même la force à certaines personnes de venir nous manquer le respect. Parce que dès qu'une personne vient là s'énerver, fait semblant comme s'il a trop de choses à faire, vous commencez à supplier. Ouais, pardon, il faut appeler. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne fais pas ça de quoi? Ne fais pas ça quoi? Hein? Pourquoi qu'on est prête? Quand quelqu'un dit que je veux parler, laissez la personne parler. Dis tout ce que tu as dans le cœur. Ne nous avez pas encore insulté sur les réseaux. On insulte lundi, mardi, on demande pardon, mercredi, on change de type. Jeudi, on revient encore, excusez-moi, on m'avait manipulé. Il n'y a aucun enfant sur Facebook là. Nous sommes des vieilles femmes et des vieux garçons. Je ne suis jamais levé un matin et demandé à une de nos, à une collègue quelconque que pourquoi tu parles avec elle. Pourquoi? Chacun est libre de parler avec qui il veut. Mais tout ce qu'on veut, c'est le respect. C'est tout. C'est tout. C'est quoi les chantages à deux balles? Vous suppliez, non? Pardon, passe un coup de fil. Il faut appeler. Appeler pour dire quoi? Quand les gens ont les choses dans le cœur. Quoi que vous fassiez, hein? quand les gens ont à dire, laissez ces personnes parler pour se libérer, ça passe. Dès qu'on sort, qu'on s'amuse, qu'on a le sourire, ça vous énerve. Mais vous pouvez vous lever aussi, aller vous amuser, vous avez des amis autour de vous. Hein? Dès qu'on veut s'amuser, ça vous énerve. Dès que vous nous voyez en joie, on était en Allemagne, chacun s'est amusé, les soirées étaient très bien. Ça vous énerve. Mais c'est de notre faute si vous croisez dans les canapés, dans les maisons, vous êtes enfermés, hein? À propager la haine partout. C'est vous qui voulez être dans la haine. C'est vous qui voulez écouter les conneries. Dans une famille, même si chacun écoute le Congo, ça c'est que personne ne parle à personne. Hein? Un petit, chacun se lève, il interprète. Un petit, oh, j'avais insulté tel au nom de tel. Non. Si moi je me lève pour insulter quelqu'un, j'assume. Arrêtez de dire que vous faites au nom de tel. Vous n'êtes pas des enfants. C'est vous-même que vous voulez faire pour venir pour vous faire voir, pour vous faire aimer. Alors, quand ça ne va plus, ne venez plus dire que oui, c'est que j'avais d'abord fait telle chose, c'était au nom de tel. Non, c'est parce que vous voulez vous faire voir. On en a marre, dis donc. C'est quoi?
Un week-end comme ça, on ne peut pas s'amuser tranquille. Chacun se lève, il dit ça part de son côté. Chacun se lève, il interprète. Flo de là dit que, ouais, ça dit que. Je vais vous dire la vérité. Sachez donc aujourd'hui, je vous dis. Mon amitié, ma paix avec ma Yamsa, c'est une place. Quand je parle d'une place, ça veut dire que c'est une place. Ça veut dire que chaque relation, c'est une place. C'est comme ça. Ce n'est pas comme si c'était une relation groupée que je vais venir demander que, oh, machin, tout ça là. Quand on s'est vu à Lille là, c'était préparé où? C'était le hasard. C'était le hasard. Et ça, c'était préparé qu'on va arriver. Et même tu vois ta soeur. Et puis, vous faites la paix. Tu dois payer les gens pour commencer à leur dire que oui, je l'ai vu, j'étais assise, elle est venue. Ça va changer quoi en fait? Nous, on appelait à se rencontrer ici là partout. On appelait à se voir. Vous qui êtes loin, 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 loin là. Là, on dit que il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Mais la probabilité que vous rencontrez, c'est pas beaucoup comme moi, comme nous. Arrêtez un peu. Après, vous parlez d'ingratitude. L'ingratitude, c'est quoi? Il faut être reconnaissant tous les jours, toute une vie. Toute une vie derrière le dos des gens a dit qu'on n'a pas dit merci, on n'a pas reconnu, on n'a pas fait ceci. Pourquoi? Si vous venez nous soutenir gratuitement sans rien attendre, comme vous le dites, pourquoi à chaque fois il y a tous les chantages? Pourquoi? Pourquoi à chaque fois quand quelqu'un veut partir, tu dis pourquoi t'appelles le Dicalo? Quand vous venez, vous nous dites. Quand vous venez dans notre team, est-ce que vous nous dites? N'est-ce pas, vous passez mal matin, vous commencez à insulter parce que vous avez profité du fait qu'il y avait le désaccord entre nous pour entrer parmi nous et pour mettre plus de haine. On en a marre, on est fatigué de ça, on est épuisé. Chacun veut gérer son couloir tranquillement. Merde, c'est quoi? Tous les jours, un petit truc, hein? Fleur de Lille, elle a avalé d'elle. Elle a parlé comme ça. Pourquoi vous voulez toujours interpréter les choses qu'on dit? Vous partez transformer. Parce que ça ne vous plaît pas. De nous voir comme ça. Hein? De nous voir comme ça. La paix est bien. Ça vous fait mal. Ça vous choque. On doit vous rendre compte. On doit vous rendre compte par rapport à quoi? Je vais sortir les invitations du roi bébé. Ça fait 2 ans que je n'ai pas vu le président. Ni avec ma sister. 2 ans, je ne les ai jamais vus. Donc quand on va se voir, il va falloir appeler tout le monde pour dire que oui, on est ici là, machin, tout ça là. J'ai appelé dans le direct de Lolo l'autre jour, exprès. Ça fait 2 ans, je n'ai pas parlé. On ne sait même pas, c'est la première fois depuis plus de 2 ans que j'ai appelé pour saluer. Est-ce que vous avez dit, vous, ils ont commencé à faire, après vous voulez vous mettre en rivalité avec nous. Quand nous, on a souffert pour notre Stamania, quand on nous a insultés, caricaturés partout, vous cherchez vos problèmes, vous mettez ça sur les têtes des gens. Oh, mais insultez parce que, mais, pourquoi les gens manquent sur Facebook comme ça? Vous venez sur Facebook avec vos propres problèmes. Vous avez fait le tour de la basse oh, et de ceci oh, et de ceci. Maintenant, portez, vous mettez sur les têtes des gens. Pourquoi qu'on a peur de vous? Il y a quel secret que vous détenez? Quel secret? Il faut toujours supplier, faire semblant. Pourquoi? Quand ça ne va pas, chacun prend sa route. Hein? Quand ça ne va pas, chacun dégage. C'est obligé. Mais de les gens sont, oh, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour de quoi? Nous, on a nos enfants. On a des vies privées. C'est quoi ce truc-là? C'est sur Facebook, vous venez chercher le manque d'amour. Vous avez des enfants, vous avez des personnes dans votre vie. Hein? C'est derrière les gens que vous ne connaissez pas sur Facebook, vous voyez seulement comme ça que vous allez chercher qu'on vous aime. Quoi, c'est depuis combien de temps que je n'ai pas dit à mon homme que je t'aime? Que je n'ai pas dit que chérie, j'étais tout le temps de chercher à faire comme s'il y avait. Dans les stratégies de guerre, quel que soit le Congo ça qu'il y a eu avant, je dis juste que, quel que soit le Congo ça qu'il y a eu avant pendant les moments de guerre, c'était avant, c'était la stratégie de guerre. Laissez ça! Laissez ça! Quel que soit ce qu'il y a eu avant, les alliés se parlent. Quand on est allié, on se parle des stratégies de guerre. Vous qui vous êtes partis, vous alliez et tout, il y a les stratégies de guerre. Mais c'était avant. Quel que soit ce qui va se dire là, ça ne changera rien avec ma relation avec qui que ce soit. C'est tout. Vous n'avez pas compris. Vous ne vous avez pas encore insulté quoi? Vous avez combien de profils? Le comme ça, c'est vous. Le ceci, c'est vous. Tout. Après demain, pour dire que les gens sont ingrats. Elle s'adresse à qui? Et il faut analyser. Non, elle s'adresse à tel. Pourquoi? On a peur de vous. Si quelqu'un veut parler, prononce le nom. Est-ce qu'on a peur de prononcer le nom de quelqu'un? Mais pourquoi analyser si on n'a pas des arrière-pensées? Pourquoi analyser? Pourquoi analyser? Vraiment, hein, sans vous mentir, les gens qui font les directs là, hein, tous cherchent que la visibilité, tous cherchent que la Stamania. Regardez là-bas chez les Lolomania là. Il y a la dame là, Julien Zombi. Est-ce qu'elle fait les directs? Mais c'est un bras droit des Lolomania que tu ne peux pas imaginer. Mais elle ne fait pas les directs, elle ne cherche pas la Stamania. Elle soutient sa soeur, ça n'est même plus sa star et sa soeur. J'ai vu qu'elle a perdu sa mère, comment je parlais avec Lolo, quand elle a perdu sa mère, mais il faut voir comment Lolo était, comment on dit, elle était plus bas que terre. C'est une famille. Hein? Pourquoi que ça fait les directs tous les jours? Si vous faites les directs gratuitement, pourquoi vous monétisez vos pages en fait? Vous monétisez vos pages pourquoi? Dites-donc, laissez-nous ça. On est fatigué vraiment. C'est même quoi les histoires d'après? C'est dit que vraiment, on parle vraiment, allez à mon nom. Parce que demain, ça va être que, oh, tu es ingrat. Tel t'a soutenu l'autre jour comme ça. Maintenant, tu es venu, tu as répondu que, oh, ma chaise est montée, c'est descendu. Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne sommes pas. Jamais dit à quelqu'un que ne parle pas avec tel, c'est monté, c'est descendu. Non, pourquoi? Tu parles avec qui tu veux, mais tu fais attention, c'est tout. On a nos fans qui sont là. Il y a certains qui apprécient même la paix, certains qui n'acceptent pas.
C'est pour ça qu'ils trouveront toujours un truc à dire. Appelez, on a nos vies. Appelez-lui. Tu as dire, pourquoi on a le temps comme vous d'écouter tous les directs? Quand on aime sa star, il y a des choses même qu'on peut écouter et ne pas appeler sa star pour dire. Hein? Il y a des choses qu'on peut écouter. Même pas amour pour votre star, vous ne l'informez pas. C'est pas qu'un petit truc. Allô, oh, tu as vu, fais attention. Tu as vu maintenant, Fleur de Lille là. Voilà, la peine n'a même pas encore fait une journée. Elle a dit que, elle t'a parlé, elle t'a commandé. Maman, dans quoi? Je dis les choses pour protéger ma yamseur. Pour la protéger. Oui, maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Au moins, moi, je lui ai dit que, c'est, voilà, ma pensée. Où est le problème? Où est le problème? Pourquoi que quand on aime quelqu'un, on peut analyser ce genre de choses? Pourquoi vous prenez tout ce qui est mauvais dans ce qu'on dit pour aller traduire? Pourquoi dans tout, vous n'avez pas pris ce qui était bon? Pourquoi vous prenez seulement ce que... Et puis, il y a la compréhension. Je vais sortir comment? Je vais aller sortir. Les gens sont là, mon frère. Un petit truc comme ça, village. Tu ne peux pas dire que ça a causé... Tu m'avais insulté avant, pendant la... Je sors ici. Tu m'avais insulté avant, pendant la... Pendant le conseil de l'aide, pense pour rien. Je dis que la main, je lui ai fait pas rien. Tu as rappelé qu'on se reconnaissait aux États-Unis. Je ne me rappelais même pas. Je me rappelais pas, il dit que ne la connaît pas moi. Après, tu as encore changé de côté. Reparti encore là-bas demander pardon. Parce que quand tu es revenu de mon côté, tu es revenu, oui. Mais vraiment, ça avait fait que. Et ce qui a gâté, c'est parce que tu étais. Il y a eu le problème du coquille. Le coquille. Et comme la petite Nicole, j'avais dit que j'avais supporté. C'est même pas que j'avais supporté. Il dit que non, ce n'est pas comme ça. Du coup, tu as changé de côté. Commencé encore à m'insulter. La mère, c'était l'affaire du coquille. Oui, tu avais le problème avec Nicole. Oui, l'affaire du coquille, vous étiez amie. Elle était d'abord. Nicole était d'abord ta fille, non, ma? Elle était d'abord ta fille. Ça n'a rien à voir. Elle, c'était Lolo. Bon, la famille, vous-même, vous avez écouté comme moi, Fleur de Lille. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on écoute comment Mado casse pleurniche. Je dis que Fleur de Lille, d'une posée, a raison. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit ici que sachez que la plupart des gens qui défendent vos blogueuses, là, et stars, là, ce n'est pas qu'ils les aiment trop, hein, oui. Ils sont uniquement là pour leurs intérêts. Donc, bientôt, ça va cuire avec Lolo Fodia et Madokas. Pourquoi? Parce que Madokas, en fait, n'était pas vrai. Elle était, en fait, comme Reine Mère Bio. Elle est comment pour sa visibilité, pour les étoiles. Oui. Dès qu'elle s'est rendu compte que, bon, la Reine Mère Bio est partie s'accrocher derrière, peut-être, la Gruta Boss. Et qu'elle voit donc que, bon, derrière la Gruta Boss, elle a peut-être un pourcentage en vendant les gélules. Voilà pourquoi, réellement, Madokas est en train de se comporter ainsi. Pourquoi? Parce que Madokas est en train de réfléchir que, bon, comme elle a déjà ses abonnés, elle a sa team. Vu qu'elle a dit qu'elle a la team des USA, donc ça signifie que si elle a déjà sa team, ça signifie qu'elle aussi, elle peut bien vendre les glutas. Et sa team aussi peut payer. Voilà donc comment tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, qu'elle change, il y a de 20 là, tout ça, c'est parce que aujourd'hui, vous vous rendez compte que Madokas entre, il y a dans les directs de Nicole. Jusqu'à ils ont même fait la paix, elle a demandé pardon à Nicole que tu as pour ce qu'elle a eu à faire à Nicole. Donc c'est juste pour vous dire que Madokas, elle n'est pas là dans le blog pour faire plaisir aux gens. Non, elle est là pour ses intérêts. Elle réfléchit comment elle aussi peut vendre les produits de la dame là, en fait. Oui, voilà comment elle est en train de réfléchir. Pourquoi? Parce que elle voit que bon, les Lolomania, quand ils donnent les étoiles, ils donnent peut-être les 4000, les 5000 étoiles. Et quand Lolo Fodia peut-être lance un direct, on lui donne les 100 000 étoiles. Quand Raven Bia il lance le direct, Raven Bia aussi atteint jusqu'à 20 000 étoiles. Elle se rend donc compte que c'est elle qui perd la femme. Pourquoi? Parce qu'elle voit qu'elle met sa connexion. Mais donc, ça signifie qu'elle vient soutenir. C'est grâce à soutenir Lolo Fodia, c'est à cause des étoiles. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a vu comment elle a fait pour se retrouver chez Lolo Fodia. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que Lolo Fodia faisait les lives. Elle avait les 100 000 étoiles. Elle a donc dit que bon, si maintenant elle a réfléchi à la séance, que si c'est qu'elle n'a pas donné sa voix à Lolo Fodia, elle n'a pas la soutenir dans sa tête. C'est qu'elle se disait que non, quand peut-être le Lolomania peut-être vont contribuer, on va commencer peut-être aussi à l'envoyer les étoiles. Voilà ce qu'elle elle pensait. Elle pensait réellement que non, les Lolomania aussi peut-être, elle peut m'avoir peut-être même les 25 000 étoiles. Pourquoi donc elle a tapé poteau? Pourquoi? Parce que qu'elle sache que les fans d'une personne ne peuvent pas subitement, brusquement venir lui donner les étoiles. Elle qui fait les directs parce que tous les jours. Lolo Fodia qui vient lancer un direct, ou ça après combien, ou c'est deux ou trois ou quatre fois par mois. Mais elle, tous les jours, elle lançait les directs. Elle mettait sa connexion, elle avait espoir aux étoiles. Elle a donc vu que les étoiles, même, ça donne combien. Aujourd'hui, quand elle aime les étoiles, elle dit que ce n'est pas les Lolomania qui donnent, que c'est sa team. Donc, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, elle réfléchit dans son plan B. Vu qu'elle a dit qu'elle est une commerçante ne cherche pas les problèmes. Donc, elle réfléchit aussi le business aussi qu'elle va mettre sur pied. Oui. Voilà comment elle réfléchit, comment elle aussi doit aller faire Amé Kamé. Amé Kamé aujourd'hui accepte carrément qu'il n'a jamais sorti avec Flo. Pourquoi? Parce que pourtant, il a fait croire aux gens qu'il a tabassé avec toutes ces blogueuses. Donc, la sortie de Flo de Lille a impacté Amé Kamé. La sortie de Flo de Lille a été bénéfice. Oui, pourquoi? Parce que maintenant, Amé Kamé reconnaît qu'il n'a jamais sorti avec Flo. Aujourd'hui, il dit carrément qu'entre Flo de Lille et lui, Flo de Lille avait peur de sortir avec lui. Donc, vous comprenez en fait que lui-même, là, il n'était pas vrai. C'est juste un menteur. C'est juste pour vous dire que sachez que tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours vrai. Certaines personnes parlent, certains trucs pour se faire voir.
En tout cas, vous nous avez écouté comme un frère de Dieu. Merci encore.